Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 223 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Colin McRae Rally, le premier qui est sorti donc sur PlayStation. Et c'est parti, on va voir à quoi ça consistait. Colin McRae Rally, on sait ce que c'est un jeu de course, de rallye, hein, tout simplement. Colin McRae, c'est un mec qui fait du rallye d'ailleurs. On voit mon overlay aussi, mais bon, c'est pas grave. Allez, Colin McRae Rally, now loading. Les débuts de jeu, des fois, sont un petit peu traîtres. On voit des fois le petit overlay qui va bien. Alors, c'est en français. C'est bien, déjà. On va faire un mode championnat. Je choisis ma voiture. Donc, ouais, la Subaru, on va la prendre. Je sais pas, Toyota. Ouais, je sais pas, Subaru, Toyota. Moi. Bon, voilà. Je tape mon nom, tranquillement. S'il va... Ah bah je vais peut-être pouvoir le marquer en entier. S'il va... N-U-S... Ok. Championnat, c'est parti. Donc il n'y a pas plus d'introduction que ça. Si ça commence tout de suite, je sais pas. Colin McRae Rally. No loading. Alors il est seul en français, mais il y a des images en anglais quand même. Bienvenue à Nouvelle-Zélande. Joueur Sylvanus, temps 1, même le blablabla, efficacité, rien à foutre. Continue, moi je veux jouer, j'en ai marre de blabla. Je ne suis pas un pro du rallye, on voit le circuit sur lequel on va conduire, qui est assez tournant, j'ai envie de dire. Et bah c'est parti, préparez-vous, ça commence tout de suite. 4, 3, 2 et 1, et c'est parti. 80, on a la vitesse, bon on sait pas si elle est en kilomètre heure ou en miles à l'heure, mais j'imagine que c'est des... kilomètre heure, ouais. Alors par contre la voiture, il va falloir tant que j'apprenne à la contrôler parce que là ça part en sucette. Elle a une accélération assez rapide, 130. Parce que c'est sérieux, je suis déjà à 130 sur cette route là. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, ça peut pas être des miles, c'est encore pire. Donc ouais, c'est forcément des kilomètres heure. Ouais, c'est quand même bizarre parce que. Oh là là, le contrôle. Donc ça, le contrôle, bon, correspond bien à la vitesse. Mais par contre, par rapport à ce qu'on voit, on ressent pas être déjà à 130, quoi. Regardez, je suis déjà... Ça monte à une vitesse 100, 110, 120, 130. J'ai pas tellement l'impression d'être à 130. J'ai l'impression de faire du surplace. Mais dès que je tourne, ça part en sucette. Donc ça, voilà. Ouais, j'essaie de donner des petits coups de frein avant de tourner. Faut déjà que je trouve la touche des coups de frein. Ça serait mieux. Alors à moins que ça fonctionne et que je ne cesse pas, mais ce serait bizarre que les lumières de la voiture s'allument pas. Ouais. Alors je suis pour l'instant 8ème par rapport au temps. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 8ème, je suis une merde. Et le jeu est assez difficile pour démarrer. Ils auraient quand même pu nous mettre quelque chose de plus simple. Et là, c'est vrai que les virages s'enchaînent assez rapidement et en plus, par rapport au temps qu'on nous demande de faire, je suis 10ème maintenant. C'est pas le top. Donc une droite légère. On a toujours un petit copilote pratique. Il savait déjà bien faire ça avant. Ils savent toujours bien faire ça maintenant. Les copilotes avec les virages qu'on va prendre. Je me rappelle d'un jeu qui s'appelait Midtown Madness. C'était un de mes premiers jeux de course en fait, avec E-Racer, tout ça là, toute cette période de jeu qui était bien. Faudrait que j'essaye de retrouver à l'occasion, c'était sur PC. Aussi bien ça existait sur console, aussi bien, tiens, j'essaierai plutôt que de m'embêter à essayer de trouver le jeu PC, qui est sûrement introuvable, voilà, faut vraiment que je cherche. Peut-être que je le trouverai plus en console, en émulateur, en me mangeant des murs, c'est pas top. Pour essayer d'y jouer, ça rappellera un peu le bon vieux temps. Ah là là, le bordel pour tourner. Je roule sur l'herbe, j'ai l'impression que ça roule aussi vite que sur la route. Alors, hop, une gauche très méchante, une droite très méchante qui arrive. Hop, voilà. D'accord. J'ai mon permis, je vous rassure, j'ai mon permis de voiture depuis plus de 3 ans. Et c'est vraiment la merde à contrôler, je sais pas, avec mon clavier, donc c'est sûr que déjà ça aide pas.
Elle est pas là la route? Sous ma gueule? Non, non, bah en fait, non, non, j'ai pris carrément un mauvais embranchement. La route était pas du tout là, quoi. Oh, ce vieux piège devant, en plus devant la ligne d'arrivée. N'importe quoi. Voilà, étape terminée. Je suis 12e. Je suis trop fort. 12e sur, je ne sais pas, pour l'instant il y en a 15. En tout cas, je suis pas premier, ni 2, ni 3. Résultat de l'étape. C'est pas top, pas top. Vous avez effectué le meilleur temps pour Nouvelle-Zélande. Eh ben, c'est bien. J'ai fait le meilleur temps. Alors, ils choisissent mes épreuves par rapport au temps que je fais. Donc, bah, c'est parti en Nouvelle-Zélande. Oh mon dieu, tous les virages qu'il va y avoir. Ça va être violent. Allez, bon, bah, on va faire la course. Hein. Que voulez-vous? Donc, je vous la laisse même en gameplay. Je vous laisse quelques minutes. On se retrouvera peut-être au milieu de la course. C'est parti! On se retrouve dans cette fin de course, j'ai envie de dire, milieu de course, je suis toujours 12e, hein. J'ai toujours une place absolument énorme. Il n'y avait pas de niveau de difficulté à choisir au début. Ah bah voilà, je retourne là, carrément la bagnole. Bon bah c'est automatique donc ça va. Ouais, vous voyez que par rapport à la distance à droite là, c'est le parcours qu'on a fait avec les différents checkpoints. Et on est bientôt vers la fin. Et je disais que j'étais toujours 12e et que c'est super difficile, qu'on n'avait pas le choix de la difficulté. On était en championnat, le premier championnat qu'on fait, quoi, mais incroyable. C'est hallucinant. Je suis 13e, n'importe quoi. Et pourtant, à part me gameler tous les virages, voilà, c'est pas plus mal que ça. Je veux dire, dans la plupart des jeux récents maintenant, c'est devenu facile. Ou alors, en fait, ça c'est normal. C'est que les jeux récents sont trop faciles. Je suis trop habitué aux jeux récents. Parce que sur les jeux récents, bah, vous avez toujours au début, bah là, c'est toujours facile quoi. Vous avez toujours des modes, vous pouvez prendre voilà, un championnat en mode méga difficile.
Et là, franchement, pour le début de jeu, pour le début d'un jeu, je suis 12e, 13e là. Waouh! C'est vraiment hardcore. Hein. Les autres, ils sont des secondes et des secondes d'avance. Hein. Ils font pas semblant. Vous effectuez le meilleur temps pour Nouvelle-Zélande, étape 2. Hein. Donc, ils m'ont encore débloqué une course. Sylvanus, temps 7 minutes. 7 minutes? Non, ça fait pas 7 minutes. Ça fait pas 7 minutes qu'on est là. Quand même. Voilà, lecture de la carte. En plus, ça enregistre. Ça fait des petits freeze, vous voyez, le fond se freeze. Vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps. Quand ça enregistre, ça freeze le reste. Et on pourrait continuer, mais on va s'arrêter là. Ce sera tout donc pour Colin McRae sur PlayStation. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.